Initiative du gouvernement, bien évidemment également les organisations humanitaires commencent à déclencher des opérations d'urgence. Toute la journée, Carole Comon et Gilles Marinet ont suivi le travail du personnel de Médecins sans frontières à Paris et à Bordeaux. Plus de 3000 appels en tout juste 24 heures. Le standard de Médecins sans frontières répond depuis hier à toutes les bonnes volontés. Médecins, infirmières, donateurs, mais aussi simples particuliers décidés à venir en aide aux réfugiés rwandais. Il nous a fallu mettre en place une quarantaine de lignes téléphoniques. Nous avons un standard qui le permet. Donc on fait un premier contact avec les personnes, on fait un premier tri, un premier questionnaire. Et en fonction du désirata des personnes, on répond soit par un acte de recrutement, soit par une diffusion d'informations. Donc vous avez un petit peu une idée de ce que vous risquez de faire en partant comme ça? À l'étage se déroulent déjà les premiers entretiens avec les médecins volontaires, pendant que les équipes sur le départ reçoivent à côté les dernières informations en provenance du terrain. 35 tonnes de matériel seront expédiées dès ce soir à partir de Bordeaux. Des kits sanitaires d'urgence et du matériel de vaccination qui seront acheminés vers la région de Bukavu. D'après nos informations, il y a des dizaines de milliers de personnes qui quittent Goma pour descendre sur Bukavu. Donc nous, ce qu'on voudrait faire, c'est mettre en place toute une technique, tous des gens et du matériel pour éviter que l'épidémie de choléra flambe sur Bukavu, car il est quasi certain que les réfugiés vont partir et amener le choléra. Deux médecins et deux membres de MSF chargés de la logistique accompagneront le matériel. Des expéditions qui coûtent cher, Médecins sans frontières espère maintenant recueillir 50 millions de francs, de quoi financer son action au Rwanda pour les 3 prochains mois.